Alors, on va cliquer sur Côte d'Ivoire. Même Côte d'Ivoire aussi, ils ont le même problème. Votre argent arrivera sur votre compte aujourd'hui. Alors, si je viens de la page d'accueil comme ça, voilà, vous allez remarquer que l'argent que je viens à peine de demander le retrait est bel et bien arrivé. Comme vous pouvez le voir ici. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment retirer cet argent qui se trouve juste ici dans mon compte. Les informations que je vais partager sont des informations que vous ne trouverez pas sur YouTube. Ouais, vous allez trouver, mais pas en détail. Donc, il faut essayer. Je fais cette vidéo suite aux questions que vous m'aviez posées sur l'une de mes vidéos. Et je vais vous montrer concrètement comment retirer votre argent dans n'importe le pays à laquelle vous vivez. Cette vidéo, je l'ai faite en deux étapes pour que vous ne perdiez pas votre argent avec d'autres moyens de paiement. Dans cette vidéo, je vais demander tout d'abord les retraits avec PayPal. Si on clique ici, vous voyez que dans les pays où je vis en ce moment, on refuse de me payer avec PayPal. Et pourquoi? Ça veut dire que mon pays n'est pas éligible. Mais je vais vous montrer comment on peut contourner ça et retirer dans n'importe quel pays où vous vivez, car c'est ça le problème. Et deuxièmement, je vais vous montrer autre moyen que vous pouvez retirer votre argent au cas où PayPal ne marchera pas chez vous. La plupart des personnes qui suivent cette chaîne m'ont envoyé plus de messages sur comment retirer de l'argent gagné avec IP Royal. Car après la mise en jour de PayPal, les choses ont changé et c'est un petit peu compliqué en ce moment. Ok, si tu viens de me découvrir aujourd'hui, ici je te donne les méthodes simples pour faire de l'argent en ligne et pour de vrai. C'est pourquoi dans toutes mes vidéos, je te montre toujours étape par étape, c'est-à-dire des A à Z. Donc, n'hésitez pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification et n'oublie surtout pas à liker cette vidéo. Une fois que tu as fini de faire tout ça, ok, on est parti. Ok, là je dois me connecter rapidement au site. Maintenant je dois cliquer sur login. Voilà, ici comme vous pouvez le constater, je suis maintenant à 10,55$ dans mon balance ici. Et si je viens cliquer ici dans l'onglet affilié, je clique dessus, je suis maintenant à 11,84$. Je dois maintenant retirer cet argent que vous voyez là, 11,84$. Comme ils ont précisé ici, nous payons le revenu des affiliés à partir de 5$ via PayPal ou la crypto-monnaie. Si maintenant je vais retirer cet argent que vous voyez ici à l'écran, 11,84$, je dois maintenant cliquer sur c'est désister. Mais si je clique sur c'est désister comme ça, vous voyez que non, il n'y a pas PayPal. Tout simplement parce que je suis dans un pays non éligible avec PayPal. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Si je clique par exemple ici sur Visa, je clique dessus, je peux bien évidemment retirer de l'argent avec leur carte Visa virtuelle. Mais tout le monde ne maîtrise pas vraiment ces options. Mais moi, je vais vraiment faciliter la tâche. Alors, je reviens en arrière comme ça et je dois vous montrer une astuce. Si vous êtes en Afrique et que votre pays n'est pas éligible avec PayPal, ça va vous afficher comme ça, il n'y aura pas PayPal. Mais pour ceux qui sont en France et d'autres pays qui sont autorisés avec PayPal, vous verrez certainement l'onglet PayPal affiché ici. Ok? Alors, pour ceux qui sont dans les pays non éligibles, mais ils ont quand même le compte PayPal qui est fonctionnel. Ça veut dire un compte PayPal pour business. J'avais déjà fait une vidéo que je vous ai montré comment créer un compte PayPal dans un pays non éligible. Alors, ce que vous avez à faire, c'est quoi? Vous allez maintenant cliquer sur choisissez le pays. Vous allez cliquer là. Et par ici, maintenant, vous allez choisir les pays où votre compte business PayPal est hébergé. Moi, dans mon cas, par exemple, j'avais créé mon compte PayPal dans un pays qu'on appelle Lesotho. Alors, ce que j'ai à faire, je dois maintenant choisir Lesotho tout simplement. Voilà, Lesotho est là parce que c'est un pays où j'ai créé mon compte PayPal. Donc, je clique sur Lesotho. Tout d'un coup, j'ai cliqué sur Lesotho et puis voilà, PayPal est là. Alors, si je viens par exemple de cliquer sur, on va maintenant chercher la Côte d'Ivoire pour que je vous montre clairement ce que je vais faire par ici. Alors, on va cliquer sur Côte d'Ivoire. Même Côte d'Ivoire aussi, ils ont les mêmes problèmes. Alors, pour contourner ça, vous allez maintenant choisir les pays à laquelle votre compte PayPal a été créé ou résider. Je pense que la majorité d'entre vous ont créé leur compte avec les pays, par exemple Sénégal, les pays où PayPal est autorisé à recevoir de l'argent, bien évidemment. Moi, dans mon cas, j'avais créé mon compte avec Lesotho. Donc, je dois maintenant chercher Lesotho. On va rapidement dans la vidéo et je vous montrerai la deuxième partie pour ceux qui n'ont pas toujours un compte PayPal, comment vous allez retirer votre argent. Lesotho, ok, je clique dessus. On attend quelques secondes. Je dois maintenant cliquer sur PayPal comme ça. Je clique dessus. Pour ceux qui n'ont pas PayPal, restez jusqu'à la fin. Là, maintenant, je dois maintenant cliquer sur c'est désister. Lisez très attentivement avant de retirer l'argent. Êtes-vous sûr de vouloir retirer 11$ parce qu'ils ont coupé les frais via la méthode de PayPal? Les informations sur la façon d'échange, votre paiement sera envoyé. Je dois maintenant cliquer sur confirmer. Et regardez maintenant ici, votre retrait d'affiliation a été envoyé avec succès. Là maintenant, on va revenir dans notre boîte de réception où on avait créé notre compte IP Royal. On vous demande de confirmer avant d'envoyer dans votre compte PayPal.
on va vous envoyer un paiement. Alors regardez très attentivement ce que je suis en train de faire maintenant, parce que c'est la partie très importante. J'ai moi-même perdu à peu près 35$ parce que je ne connaissais pas. Alors je viens maintenant sur mon adresse email comme ça. Vous voyez bien que c'est l'email que IPY vient de m'envoyer. Donc je dois maintenant cliquer dessus. Je dois maintenant cliquer sur voir la récompense. Je clique dessus. On attend quelques secondes. Comme vous pouvez le voir ici, on me dit IP Royal vous a envoyé 11,37$. Je dois maintenant cliquer sur racheter. Je dois cliquer ici. Il n'y a pas d'option d'échange actuellement disponible dans votre région. Alors, une fois encore, je vous rappelle que vous devez maintenant choisir le pays à laquelle vous avez choisi au moment de la création de votre compte PayPal. Moi, j'avais créé mon compte dans le pays qui s'appelle Lesotho. Donc, je dois encore une fois cliquer ici sur le pays et je dois maintenant chercher Lesotho. Là, maintenant, je dois cliquer sur Lesotho. Voilà. Ici, on me demande de renseigner maintenant les informations de mon paiement PayPal. Votre argent arrivera sur votre compte aujourd'hui. On va supprimer tout ça. Et je dois mettre mon adresse email PayPal comme ça. Donc après maintenant je dois cliquer sur transférer les 11$. Je clique dessus. Nous envoyons l'argent sur votre compte PayPal. Et puis ce que j'aime avec cette méthode, les paiements instantanément. Alors ce que j'ai à faire maintenant, je viens sur mon adresse email que j'ai ouvert avec mon compte PayPal pour vérifier si l'argent est arrivé. Et boum, l'argent est directement arrivé. Donc si je clique sur l'email que PayPal m'a déjà généré ici, je clique dessus. Le 4 septembre 2022, les paiements reçus est de 11$. Avant de vous montrer la deuxième étape, on va tout d'abord aller sur mon compte PayPal pour vérifier si j'ai reçu mon argent avant qu'on attaque directement la deuxième étape. Pour ceux qui n'ont pas un compte PayPal, il faut s'assurer que le pays est coché les autos ou votre pays où vous avez ouvert votre compte PayPal. Donc là je mets le mot de passe rapidement pour vérifier si j'ai reçu l'argent. Je dois maintenant cliquer sur connexion. On attend quelques secondes. Voilà, l'argent est déjà arrivé le 4 septembre 2022. Comme vous pouvez le voir ici, l'argent est arrivé avec succès. Pourquoi j'insiste à ce niveau? Il faut appliquer les méthodes et tout ça là. Tout simplement parce que voir des résultats comme ça sur internet et j'ai appris tellement de choses. Voilà pourquoi moi j'aime pas que les gens font des erreurs pour gagner 2$, 1$, 50$, 100$. C'est vraiment du travail. Donc j'ai parlé un peu trop dans la vidéo quoi, j'ai remarqué ça. Alors si je viens de la page d'accueil comme ça, voilà, vous allez remarquer que l'argent que je vais à peine de demander le retrait est bel et bien arrivé, comme vous pouvez le voir ici. Alors je reviens maintenant ici dans IP Royal encore une fois ici. Je viens cliquer sur affilié. Là maintenant dans mon balance, je n'ai rien en ce moment parce que j'ai tout demandé le retrait. Je dois maintenant demander encore le retrait parce que ici j'ai des fonds. J'ai le fonds de mes affiliés et j'ai aussi le fonds principal qui est dans mon tableau de bord ici. Ici je suis maintenant à 10,55$ comme vous pouvez le voir ici. Je fais ce deuxième retrait pour ceux qui n'ont pas un compte PayPal. Je dois maintenant cliquer sur demander paiement ici. Je clique dessus. Je dois remettre le pays qui a été sélectionné. On va maintenant cliquer sur Bitcoin comme ça. Et comme vous pouvez le voir ici, on me demande l'adresse que je dois retirer l'argent avec Bitcoin. Veuillez nous assurer que votre portefeuille de crypto-monnaie prend en charge les petites monnaies. Veuillez noter que les paiements en BTC échoués ne sont pas remboursables. Si vous faites l'erreur, l'argent va partir et ça ne va pas arriver. Alors, comment on va faire maintenant pour retirer cet argent? C'est ça le problème. C'est la raison pour laquelle Levis et Bouma étaient là. Pour trouver des solutions, bien évidemment. Alors, je dois vous montrer une plateforme qui va vous aider à retirer votre argent. Et vous pouvez bien évidemment par la suite y retirer votre argent même avec Mobile Money. Le site s'appelle ebank.info, comme l'adresse l'indique ici. Vous allez maintenant créer un compte. Vous allez cliquer sur Sign Up ici. Moi j'ai déjà un compte, je dois me connecter pour vous montrer comment on peut retirer l'argent avec IP Royal. Là maintenant je dois cliquer sur connexion et je dois cocher que je ne suis pas un robot. Là maintenant je suis à la page d'accueil L-Bank. Alors pour retirer l'argent, comment est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant venir cliquer ici en haut là où c'est écrit Wallet. Après avoir cliqué sur Wallet, vous allez maintenant cliquer sur Spot. Ça va vous amener dans une page comme ça. Et ce que vous allez faire maintenant, c'est de choisir. Vous allez maintenant choisir Bitcoin est là, ok? On va maintenant cliquer sur Dépôt. On clique dessus. Après avoir cliqué sur Dépôt, là maintenant, je dois cliquer sur Accepter. Et ce que j'ai à faire, c'est de copier l'adresse là. Je dois maintenant cliquer sur Copie. Je reviens maintenant ici dans IP Royal ici. Et vous collez cette adresse là ici. Et là maintenant, je dois cliquer sur C'est désister ici. Je clique dessus. Je clique maintenant sur Confirmer. On attend quelques secondes. Et voilà, comme vous pouvez le voir ici, ils ont dit veuillez confirmer la demande de paiement. Donc là maintenant, je reviens dans mon adresse email pour confirmer tout simplement les paiements que je viens d'effectuer à 9$. Je dois cliquer pour voir le message, je clique dessus. Et je dois maintenant cliquer sur confirmer les paiements. Je clique dessus. Et voilà, votre paiement a été enregistré avec succès. On me dit ici les paiements en attente. Comme vous pouvez le voir ici, historique des paiements est là, des 10,55$. Là maintenant, je dois recevoir mon argent dans mon compte L-Bank.
Mais si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous montrer comment retirer cet argent via Mobile Money, n'hésitez surtout pas de me dire dans les commentaires, parce que quand j'arrive à faire ce genre de vidéos étape par étape comme ça, c'est grâce à vos commentaires, c'est grâce à vos problèmes que je réalise des vidéos complètes comme ça, comme celle-ci. Mettez-moi tout en commentaire. Je vous ai montré comment retirer l'argent avec votre compte PayPal, même si votre pays n'est pas éligible. Et puis, je vous ai montré aussi comment retirer l'argent avec Elbank, parce que c'est le moyen que vous pouvez retirer pour ceux qui n'ont pas un compte PayPal, bien évidemment. L'application ne paye pas vraiment énormément, mais si tu mets des bonnes actions en place, tu vas commencer à gagner de l'argent sans rien faire. Ok, si tu as aimé la vidéo, partagez autour de toi et mettez-moi tout dans les commentaires au cas où. Et je te dis, on se verra dans la prochaine vidéo. Allez, peace out.